Salut mes amis, comment allez-vous? Moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Soyez bienvenus à Français avec Delly. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble beaucoup de choses très intéressantes. Venez avec moi quand même et nous allons apprendre ensemble, d'accord? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les verbes du troisième groupe, d'accord? Vous vous souvenez? On a déjà parlé du verbe du premier groupe. On a déjà parlé du verbe du deuxième groupe. Et maintenant, on va parler des verbes du troisième groupe, d'accord? Hoje, vamos falar sobre verbos do terceiro grupo. Já falamos do primeiro grupo, já falamos do segundo grupo e hoje vamos falar do terceiro grupo, d'accord? Les verbes du troisième groupe sont les verbes qui n'ont pas règle de conjugaison. Os verbos do terceiro grupo são verbos que não têm uma regra definida de conjugação, d'accord? São beaucoup. Par exemple, dormir, aller, je vous dis sur le verbe aller, il termine en ER, mais il fait partie du troisième groupe. O verbo aller termina em ER, não faz parte do primeiro grupo, mas sim faz parte do terceiro grupo, d'accord? Verbo dormir aussi termina em IR. Não faz parte do segundo grupo, mas faz parte do terceiro grupo. Il y a aussi mourir, naître, morrer, nascer, dire, dizer, faire, fazer, devoir, dever, falar, vivre, viver, attendre, esperar, voir, ver, boire, beber, d'accord? São beaucoup. Je vous conseille de faire une recherche. Eu vos aconselho a fazer uma pesquisa sur les verbes du troisième groupe. Sobre os verbos do terceiro grupo. Vão descobrir coisas muito interessantes sobre eles, d'accord? Je vais essayer de conjuguer quelques verbes du troisième groupe dans le présent indicatif. Vou conjugar alguns verbos do terceiro grupo no presente do indicativo, d'accord? Par exemple, faire. Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites et il ou elle font. Eles ou elas fazem, d'accord? Il y a aussi les auxiliaires. Vous souvenez, os auxiliaires, être et avoir, d'accord? Ils sont aussi du troisième groupe. Être, je suis, tu es, on a déjà parlé sur ça, d'accord? Il ou elle est, nous sommes, vous êtes et il ou elle sont. Vous souvenez, d'accord? Et aussi avoir. J'ai, tu vois, nous avons, vous avez. On a déjà parlé de ça. Ce sont les verbes du troisième groupe. Ils n'ont pas une règle de conjugaison. Vous comprenez? Mais il faut quand même étudier. Temos que estudar, faire la recherche, fazer pesquisas, d'accord? Et nous allons apprendre. Petit à petit, nous allons apprendre, d'accord? Comprenez? J'espère que vous avez compris, d'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, donnez votre like, partagez avec vos amis, je fais ça, c'est fini, n'oubliez pas, d'accord? Je vous attends à la prochaine fois, je vous dis à la prochaine.